Bonjour, voici un TAD sur la peur de perdre. La peur de perdre va nous envoyer dans des attitudes, des pensées, des comportements qui vont faire qu'on va, sans le vouloir, provoquer ce qu'on ne veut pas. Je crée ce que je crains. Le fait de se mettre dans cette peur, de rester dedans, d'être coincé avec ça, peut même engendrer une procrastination ou de je vais pas le prendre parce que c'est trop beau si je le perds. Et donc vous allez vous-même vous créer un manque parce que vous avez peur de le perdre au cas où vous le receviez. J'ai même dans mes clientèles des personnes qui refusent de rencontrer l'amour parce qu'ils ont trop peur que ça se finisse. Ah non, non, je ne rentre pas dans cette relation parce que s'il me quitte, mais c'est pas grave, tout ce que tu auras déjà pu prendre et vivre, ce sera génial. Non, non, parce que la relation est vraiment trop. Donc voilà. Tat, c'est une pause, ça s'appelle une pause. Donc, je vais vous montrer le mouvement. Vous prendrez ça à votre rythme si vous ne le connaissez pas. À tout moment dans la vidéo, si vous avez besoin que ça dure plus longtemps que prévu, eh bien, vous mettez pause à la vidéo pour garder la pause. Si ça va trop vite pour reprendre la pause, vous mettez aussi pause, il y a plein de pauses, et vous attendez un petit peu. Et vous reprendrez la pause. Alors, la pause, c'est toute simple. C'est le pouce et l'annulaire, donc petit doigt, l'annulaire, qui vont venir se mettre ici à la base du sourcil, vraiment comme si on avait pincé le nez juste ici. Et le majeur dans le troisième œil. Et l'autre main vient à la base de la nuque, c'est-à-dire quand vous pliez votre tête à l'arrière, comme ça, vous sentez qu'il y a une vertèbre qui disparaît dans votre crâne quand vous faites ça. Eh bien, c'est là. Et donc, on pose la main vraiment, hop, comme ça, comme si. Un peu comme à la plage, là, à la plage, voilà, on est bien. Eh bien, il n'y a qu'une main qui tient et l'autre vient mettre la pause. Ça va? Bien. Il va y avoir plusieurs étapes. Bien vous munir d'un verre d'eau, c'est hyper important. Le tat ici, vous le faites minimum une fois par semaine parce que c'est quelque chose qui va vraiment travailler en profondeur, donc il faut un temps d'intégration. Si vous êtes prêt, on démarre et on commence par la phase intention. Vous pouvez prendre la pause ou pas si vous préférez pendant l'intention, mais ce n'est pas obligé, hein. Vous pouvez juste mettre les mains sur le cœur. On va prendre cette pause, voilà. On ferme les yeux. Cette guérison est pour moi-même, pour ma famille, mes ancêtres. Pour tous ceux qui sont impliqués, toutes les parts de moi, tous les points de vue que j'ai pu avoir à ce sujet, et pour tous ceux qui aimeraient bénéficier de cette guérison. Et vous restez dans cette position quelques instants seulement. On relâche. On peut être dans le bâillement et vraiment laisser faire. Hein. C'est important qu'il y ait ce bâillement. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Alors, on va faire la première étape. On reprend la pose à votre aise. Vous pouvez inverser les mains par moment. Hein. Tout ce qui a contribué à ce que je raisonne, m'identifie ou me connecte à cette peur de perdre. Et je répète une fois pour vous, tout ce qui a contribué à ce que je m'identifie, raisonne et me connecte à cette peur de perdre.
vous avez envie, on peut déjà boire un petit goût d'eau. Et si c'est ok, on reprend la pause. Cette peur de perdre, c'est arrivé. Et c'est terminé. Je ne raisonne, ni ne m'identifie, ni ne me connecte plus avec cette peur de perdre. Voilà, et vous relâchez la pause si vous sentez que c'est juste pour vous. Si vous avez besoin de rester plus longtemps, restez et mettez une pause à la vidéo. Nous allons maintenant aller nettoyer tous les endroits où cette peur aurait pu être stockée. À nouveau, on reprend la pause. Tous les endroits. Dans mon corps, dans mon esprit et dans ma vie, où cette peur de perdre a été stockée, est en train de guérir maintenant. Dieu, univers, merci de guérir tous les endroits où cette peur a été stockée. Top. Voilà, et à nouveau, vous suivez votre propre rythme, hein, n'est-ce pas? À présent, on va boire un coup d'eau, et là, je vous oblige. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est les origines. Même si on ne les connaît pas, on va aller nettoyer les origines. Reprenez la position. Toutes les origines de cette peur de perdre sont en train de guérir maintenant. Dieu, univers, merci de guérir maintenant. Toutes les origines de cette peur de perdre. Voilà. Et si c'est ok pour vous, vous pouvez lâcher la pause, sinon vous restez dans cette position encore un petit instant. Alors ici, nous allons passer à l'étape des pardons. Là, respectez-vous vraiment. Prenez le temps qu'il vous faut pour lâcher.
Si vous êtes prête, on va prendre la position. Toutes les communications et connexions en lien avec cette peur de perdre se complètent et se terminent maintenant. Et si c'est ok, vous pouvez lâcher la pause. Et nous allons faire la première étape du pardon. Donc, prenez le temps, même si vous ne savez pas le dire, que c'est difficile, gardez quand même cette position pour vraiment aller faire le nettoyage à fond. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé et offensé en lien avec cette peur de perdre. Et je leur souhaite amour, bonheur et paix. Et laissez faire le cheminement. Et si c'est ok, vous pouvez lâcher la pause ou sinon vous restez, vous mettez un stop à la vidéo. Et on va faire la deuxième partie du pardon. Je demande pardon à toute personne que j'ai pu blesser et offenser en lien avec cette peur de perdre. Je nous souhaite amour, bonheur et paix. On lâche la pause. Et si c'est ok, on reprend la pause. Je pardonne à tous ceux que j'ai rendus ou que je tiens pour responsable de cette peur de perdre. Dieu, l'univers, moi y compris. Je nous souhaite amour,
bonheur et paix. Et si ça vous semble juste, vous pouvez lâcher la pause. Et je vais vous proposer de reboire un peu d'eau. Voilà. Alors maintenant, nous allons travailler sur toutes les parts de nous. Hop, on reprend la pause. Toutes les parts de moi qui ont été impliquées dans cette peur de perdre sont en train de guérir maintenant. Dieu, univers, merci de guérir toutes les parts de moi. Et si c'est ok, vous pouvez lâcher la pause et on va observer ce qui se passe. Quand vous pensez à cette peur de perdre, observez tout ce qui reste dans cette peur de perdre. Et si ça vous semble juste, on va reprendre la pause. Tout ce qui reste en lien avec cette peur de perdre est en train de guérir maintenant. Dieu, univers, merci de guérir cette peur de perdre et tout ce qu'il en reste.
Et si c'est OK, vous pouvez lâcher la pose et laisser faire un petit peu ce qui vient observer. Nous sommes ici dans l'étape du choix. Normalement, vous devez choisir, mais vous pouvez choisir une phrase. Moi, comme on est ici un peu dans le groupe, je vous propose de mettre l'opposé de j'ai peur de perdre, donc c'est-à-dire je fais confiance à la vie. Si ça vous va, prenez cette phrase-là ou sinon, prenez ce qui vous convient. On reprend la pause. Je choisis de raisonner, m'identifier et me connecter. Ah, je fais confiance à la vie. Et j'aime ça. C'est possible pour moi. J'adore cette idée de faire confiance à la vie. Je vois et je sens toute la vie en train de me soutenir dans cela. Et on peut à nouveau lâcher la pause si vous sentez que c'est juste pour vous. Et nous allons faire l'intégration très courte. Donc on reprend la pause. Tout cela est complètement intégré maintenant. Merci. Dieu, univers, merci d'intégrer tout cela maintenant. Alors, on est attentif, on va inverser les mains. Celle de devant vient derrière, celle de derrière vient devant. Et on redit la phrase. Tout cela est complètement intégré maintenant. Merci. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous ajouter le bonus par rapport à ça. Donc, on va mettre nos mains autour des oreilles, comme si on se faisait un casque. Et vous répétez à nouveau. Tout cela est parfaitement intégré maintenant. Super, bravo, good job. Merci beaucoup, merci. Prenez soin de vous. Vous avez aimé, merci de liker. Merci de partager cette vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve tout de suite parce que je fais un deuxième tat qui est...
J'ai peur de la solitude. Allez, à très vite!